Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de l'Émeraude. Sur cette vidéo, nous allons voir comment faire les écorces d'orange confit. Pour ce faire, nous devons avoir des oranges bio, car on va manger l'écorce. Donc si c'est pas bio, on va intégrer plein de pesticides dans notre corps. Alors, il faut couper les écorces comme vous venez de voir, les mettre à cuire 4 fois de suite. Nous allons voir comment. On met nos écorces à cuire avec de l'eau jusqu'à première ébullition. On enlève, on passe au chinois pour enlever l'eau, on remet dans la casserole et on remet une nouvelle eau. On remet encore à cuire 4 fois. On refait cette étape 4 fois pour enlever l'amertume des écorces d'orange. Une fois cette étape faite, on pèse nos écorces d'orange et on met la même quantité en sucre. Et on laisse macérer de préférence toute la nuit comme une confiture et le lendemain on cuit. Une fois c'est macéré, le sucre est fondu, on cuit comme ça jusqu'à ce que les écorces soient translucides. Pas transparents mais translucides comme ça. Après on laisse refroidir complètement et on les met sur une grille comme ça de cette manière. On met un torchon fin et on les laisse sécher à l'air libre pendant 24 heures, jusqu'à ce que ça sèche complètement. Après, on les range dans un bocal comme ça, pour les utiliser en pâtisserie, ou sinon, les enrober dans le chocolat noir et les manger juste comme ça, c'est très très bon. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Cuisine de l'Émeraude, à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je publie. À aimer aussi ma page Facebook La Cuisine de l'Émeraude et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.